Gauthier a un message pour vous, Vincent Pérez. Ah oui, non, moi j'ai bien regardé tout à l'heure, donc c'est en garde. Voilà, c'est validé, Vincent. Avec un archet. Oui. Ah, c'est joli. Ok, toutes les armes sont donc permises ce soir sur le plateau. Bien sûr, c'est à vous. Bonsoir, Tietra. Bienvenue sur le plateau. Bonsoir. Bravo. Bonsoir à tous les deux. C'est un cours en accéléré. Bon. Non, mais on peut faire mal hein, avec un archet. Non, non, c'est surtout l'archet qui aurait mal. Ravi de vous recevoir tous les deux. On parle évidemment de Prodige, qui inaugure sa 10e saison, mais vous êtes donc venus les bonnes mains chargées de cadeaux et de surprises. D'abord, Gauthier, cette chanson, signée Jean-Jacques Goldman, dans votre album Destination Paris, qui est disponible depuis le 3 novembre dernier, interprétée par les enfants de l'association Orchestre à l'école et des maîtrises de Radio France et de Bondy. C'est vous qui avez eu l'idée et l'envie de solliciter l'artiste dont vous êtes fan pour lui proposer de travailler. Alors, ce que vous avez fait, c'est que vous lui avez écrit une petite lettre. J'ai surtout toujours pensé qu'il fallait vraiment croire en ses rêves et aller jusqu'au bout, sinon on a des regrets. Parfois, ça ne fonctionne pas, mais il faut essayer. Donc, Julie a effectivement envoyé un message, parlé de ce projet, d'une chanson qui rassemble, une chanson, un hymne au bonheur, en quelque sorte, et interprétée par des enfants. Et après, tous les jours, vous avez guetté sa réponse dans la boîte aux lettres, quoi. Ah oui, je peux vous dire que tous les matins, j'étais comme un gamin, j'attendais jusqu'au jour où la réponse est tombée. Oui. J'ai eu encore plus le trac, évidemment, quand j'ai commencé à lire. Et j'étais si heureux de voir que le projet le touchait. Je pense que... Qu'est-ce qui l'a touché pour la jeunesse, que ce soit un projet qui rassemble aussi, un projet d'unité, de bonheur. Et puis, je pense aussi le fait de travailler, de composer une chanson dans un univers un tout petit peu différent du sien, avec un orchestre classique, un violoncelliste, un pianiste, une chorale. C'est vrai, quand on chante une chanson de variété, en général, il y a un chanteur avec un micro et c'est un type de voix un peu différent. Là, on a une chorale et puis tous ces enfants d'orchestre à l'école dont je suis le fier ambassadeur. Donc, je suis très, très heureux. C'est un vrai privilège. Patrick. Ce soir, sur France 2, après Prodige, on pourra découvrir le documentaire « Un été en France, Gauthier Capuçon, coulisses de la tournée », car vous avez passé l'été dernier sur les routes, la Bretagne, les Hauts-de-France, la Bourgogne ou encore l'île de Ré. À travers ce doc, on vous voit apporter la musique là où elle ne va pas assez. Vous êtes accompagné de 11 jeunes instrumentistes, des enfants de l'association Orchestre à l'école qui ont eu la chance d'assurer vos premières parties, comme ici, on va voir dans cet extrait, Maëlia, 10 ans, à Montard, en Bourgogne. Et quand il joue de la musique, j'adore, parce que sa musique, elle est très belle. Et quand il joue avec nous, ça change les notes de l'orchestre à l'école, parce qu'il ne joue pas les mêmes notes que nous au violoncelle. Et le fait qu'il y ait le piano, la harpe, les violons et Gauthier Capuçon, ça change pour moi totalement le son. Et je trouve que ça rend joli, très, très joli. Ça nous valorise, moi, je trouve. Oui. Hein, ça nous met bien en valeur. Oui. Bravo! Génial! Maëlia, tubiste. Donc, elle joue du tuba dans votre orchestre. Et donc, vous lui laissez sa chance. Alors, c'est pas mon orchestre. Hein. Il faut rappeler que Orchestre à l'école, c'est une association qui aide à la pratique instrumentale au sein même d'une classe. C'est toute une classe qui apprend un instrument. Et il n'y a pas que cet orchestre. Il y a plus de 1600 orchestres en France. 42 600 enfants actuellement suivent ce programme. Et je suis... Je parlais de rêve tout à l'heure, je suis intimement persuadé qu'avec la culture, par l'art, par la musique, on peut changer les choses. Et je pense qu'en une génération, si on avait la chance d'avoir tous les enfants de France qui participent à ce programme, je pense qu'on verrait des différences. Vous partagez l'avis de Gauthier Bah oui, je pense que ça peut changer un destin. La danse, la musique, le chant, le théâtre, tout ça, c'est magnifique. Ça élève l'âme. Et puis ça permet aussi à des enfants peut-être qui ont... une scolarité un peu difficile, de trouver sa voie aussi, à travers les arts. Ça leur permet de s'exprimer, d'exprimer leurs émotions.